Le 6 mai marquait le début d'une nouvelle ère au Royaume-Uni. Le pays acclamait son nouveau roi. Charles succède à sa défunte mère, la reine Élisabeth II. La fin d'un règne record en Europe est de 70 ans, 7 mois et 2 jours. Le nouveau monarque a été acclamé par son peuple au balcon de Buckingham Palace, aux côtés de la reine consort, Camilla. Et en coulisses, les membres de la monarchie britannique étaient tout présents. Au premier rang, le prince William, sa femme Kate Middleton et leurs enfants. Le prince et la princesse de Galles ne pouvaient rater un tel événement. Mais Kate a pris ses précautions. En effet, selon les informations du journal britannique The Daily Star, Kate Middleton aurait mis en garde le prince William. Vêtue de leur tenue de couronnement, la petite famille attendait derrière le roi Charles III pour pénétrer dans l'abbaye de Westminster. Profitant d'un temps d'arrêt dans la procession, elle aurait glissé quelques mots, comme le révèle Jeremy Freeman, professionnel de la lecture labiale, méthode qui consiste à lire sur les lèvres. Ainsi, la mère de George, Charlotte et Louis lui auraient demandé de faire attention à la robe, faisant référence à sa robe blanche et veste cape bleue. Le prince lui aurait répondu, « Ne t'inquiète pas, j'ai vu. Un fashion drame évité. » Un règne à 74 ans pour le roi Charles. La cape portée par Kate Middleton était en réponse à la requête du roi Charles III et de Camilla. En dessous, la princesse portait une robe blanche signée du designer britannique Alexander McQueen. Le prince Harry, lui, était loin derrière. Le duc de Sussex est arrivé seul, sans son épouse Meghan Markle et leurs enfants, Archie et Lilibet. L'ancienne actrice est restée à Los Angeles avec son fils et sa fille. Fait roi à 74 ans, le règne de Charles III devrait être bien plus court de celui de sa célèbre mère. Couronné le 2 juin 1953 à la mort de son père, Élisabeth II avait seulement 25 ans. À propos de l'auteur Mélanie Fauré, journaliste web spécialisée actualité chaude, généraliste et people. Ses derniers articles morts de Leslie et Kevin, en nettoyant la scène de crime, les suspects sont passés à côté d'un dé. Karine Ferry enceinte. L'animatrice attend son troisième enfant, un bébé miracle dont la naissance. Je n'ai pas compris ça, la mère de Gaspard Ulliel se confie sur la rupture avec Gaël Pietri.